C'est bizarre parce que moi, dans ma tête, on dirait que hôtel puis insectes, c'est deux choses qui vont pas ensemble. Là, je m'en vais rejoindre mon ami Jérémy qui m'a invité dans le bois de l'équerre ici à Laval. Je vais aller le voir. Jay est super bon. Va m'expliquer ça. Salut Jérémy! Ah, salut Jérémy! Ça va? Ouais, toi? Oui, fait que c'est ça ton hôtel à insectes. Ouais, ça c'est un parfait exemple. Il est très beau, très grand. Là, je vois qu'il y a plusieurs sections. C'est quoi? C'est comme une espèce de resort? C'est comme une piscine, un spa? Ouais. Comment ça marche? Ici, ils ont vraiment essayé de recréer un resort complet pour une grande diversité d'insectes. OK. D'ailleurs, aujourd'hui, on va parler surtout de... De numéro 2? Ici, dans le numéro 2. On va parler de numéro 2. Donc, ce qui se passe, c'est que dans le numéro 2, oui, il y a ce qu'on appelle des abeilles solitaires. OK. C'est quoi, c'est des abeilles qui n'aiment pas avoir des amis ou... Ben, c'est peut-être un peu ça. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que, ben, une abeille à miel, tu la connais, l'abeille à miel, elle oui. vit beaucoup en communauté. Oui, comme dans une ruche. Là. Ruches, ouais, c'est ça. On appelle ça une espèce eusociale. Ouais. Donc, l'abeille solitaire, contrairement à l'abeille à miel, elle vit toute seule et elle va nicher majoritairement soit dans le sol ouais. ou dans des trous. T'es... Donc, tout ça ici, c'est... Tous des appartements qu'une abeille solitaire pourrait occuper. Ouais. Cool. Mais il y a combien d'espèces d'abeilles solitaires? Il y en a environ 350 espèces au Québec. Au Québec seulement? Qui sont indigènes. Ça veut dire qu'ils viennent d'ici. Ben, c'est gros, une abeille solitaire. Là. Je vois que c'est quand même des gros trous. Là. Il y a une très grande variété de grosseurs d'abeilles solitaires. Okay. Il y en a des minuscules. Asmia! Et il y en a des plus grosses comme la Mégachille. La Mégachille? Ouais. Mégachille! Alors, ça, c'est les condos d'abeilles solitaires. Oui, la Mégachille a okay. dit, elle arrive là, au lobby, puis elle a ouais. dit, moi, je veux louer cette chambre-là. OK, elle rentre dedans. Là, elle rentre dedans, mais elle reste dedans plus qu'une nuit. Là. C'est parce que, bon, disons que ça, c'est la cavité. Okay? Ça, ouais. c'est le tube qu'on ouais. a là. Ouais. Ouais. L'abeille solitaire, elle va rentrer ouais. ici. Elle va aller jusqu'au fond, où est-ce qu'elle ouais. peut aller. Elle va pondre un œuf. OK. Et après ça, elle va mettre du pollen, parce qu'elle pollinise. Ouais, après ouais. ça, elle va prendre un petit peu de terre, boucher le trou, ouais. mettre un autre œuf, encore fait un peu plein de pollen, comme faire ça. Un autre trou, jusqu'à temps qu'elle arrive au bout et elle bouche. OK. Fait que là, dans le fond, après ça, il faut que tout le monde sorte, chacun leur tour, pour que ouais. le dernier puisse sortir, sinon le dernier reste coincé. Elle passe l'hiver dans le trou, okay. à grandir et manger tranquillement. Malheureusement, après son travail acharné, la maman va mourir d'épuisement et de froid. Mais... Elle va être contente parce que tous les bébés vont sortir après et oh, à leur tour vont polliniser toutes les fleurs et faire des nouvelles fleurs. Ça va être super. Là, moi, je trouve ça super beau. C'est vraiment le fun. Mais mettons, je vais m'en construire un chez moi, un hôtel insecte. Comment ben je oui. fais? Ben, c'est super simple. Si tu as des retails de n'importe quoi, tu peux te faire un hôtel à insectes. OK. Bon, ben, allons construire ça. J'en ai des outils. J'en All ai right. C'est bon. Donc, ça, c'est la base, c'est ouais. ça? Oui. Bon, là, okay. On se prépare. On ouais. va construire ensemble notre hôtel à insectes. Là, je peux prendre des morceaux de clôture que j'ai puis juste ouais. comme faire un... Construire un squelette qui est assez solide, qui est fait en matériaux qui résistent à la base un peu aux intempéries. Ouais. Du bois, ça résiste. Oh, oui. Ici, ouais. j'ai juste pris... Là, des restants de clôture. Des restants de clôture. Ça marche. C'est vraiment là, n'importe quoi fonctionne. C'est du recyclage, là. Oui. Dans le fond, il n'y a pas beaucoup de règles ou non. De manières de faire quand on construit un hôtel à insectes. C'est juste que, de un, il ouais. faudrait que ça soit protégé des intempéries. En dessous d'un arbre okay. ou proche de la maison. Ou faire un petit toit. Oui, okay. une autre règle. Il faut, ben une autre règle, une recommandation. Ça serait bien que ça soit enligné vers le sud-est. Ça veut dire pas pantoute par là, ça veut dire par là. Okay. Enligné Pourquoi? Vers le sud-est. Pourquoi le sud-est? Pourquoi? Pour avoir les rayons de soleil du matin. Ah, okay. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin comme matériaux? Ben, c'est comme on disait tantôt, un peu n'importe quoi, peu n'importe de, quoi. De bois. Ben, moi, j'ai pris... des morceaux de bois de différents types d'arbres. Montage, morceaux de bois. Alors, ça nous prendrait de la musique de morceaux de bois, s'il vous plaît. Les abeilles solitaires vont être contentes. Oui, oui, oui. Fait que moi, je veux ça, pourquoi, mettons, en ville? Les hôtels à insectes, c'est pour avoir des pollinisateurs dans ouais. ta cour. Ça fait que tu vas avoir plus de floraison. Ils font toutes les petites fleurs jaunes que j'ai, mettons, dans mon plant de tomates. Si elles sont toutes pollinisées, ben elles vont tous donner un fruit qui est une tomate. Puis c'est pour ça que je l'ai planté dans ma cour. Ben il va y avoir plus, plus de plantes après. Okay. Plus tu pollinises, plus c'est comme ça qu'ils se reproduisent, les plantes. Fait que plus je vais avoir, si j'ai un bel hôtel à insectes, plus je vais avoir d'agents pollinisateurs dans ma cour, ouais. plus ça va aider mes fleurs, mes fruits, tout. Ouais.
Hey, merci beaucoup, Jay. Puis, pour vrai, j'ai une surprise pour toi. J'en reviens. J'ai hâte de voir ça. Salut, Jérémy. Waouh, salut, Jérémy. Hey, j'ai tout apporté pour que ton hôtel fasse le buzz. Waouh! Alors, on a une clochette, comme ça, si jamais la personne à la réception n'est pas là, tu peux sonner, vas-y. On a une affiche. Hot! Le E est envolé quelque part. Ah! 5 étoiles! J'ai aussi amené une petite valise. Puis là-dedans, j'ai une petite trousse. Écoute, j'ai un peignoir. Waouh! On a des lunettes. Ouais. J'ai aussi apporté de l'huile d'olive d'abeille. Hein? Tout le monde connaît l'huile d'olive d'abeille. Tout le monde connaît ça. Puis j'ai aussi apporté une télécommande, une petite télécommande. Dans les chambres d'hôtel, il y a plein de télécommandes. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est super beau, je m'attendais pas à ça. Là. Les insectes vont tous être attirés. Bon, ben, je te laisse. OK. Faut que j'aille butiner. Bonne chance avec ça.